Dans le cadre du rapprochement entre la Commission électorale nationale indépendante et l'Assemblée nationale, le bureau de la CENI a sollicité et obtenu des échanges avec le bureau de la Chambre basse du Parlement de la présente législature pour une première prise de contact depuis son installation. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation de la CENI, conduite par son président Denis Kadima, a eu une séance de travail avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, accompagné de l'honorable rapporteur adjointe Dominique Munongo Inamizi. C'était le mercredi 25 septembre 2024. Ensemble, ils ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ce jour, faute de moyens, comme l'a précisé Denis Kadima. Les animateurs de la CENI ont premièrement présenté les réalisations de cette institution d'appui à la démocratie contenues dans leur rapport annuel récemment publié, avant de soulever les multiples préoccupations liées au fonctionnement de la CENI et celles des questions du financement du reste du processus électoral. Denis Kadima a déclaré qu'avec l'appui du gouvernement, tout était fin prêt pour organiser les élections d'abord à Yakoma et Massima Nimba avant de poursuivre avec les cas spécifiques de Massissi et Rutshuru. Oui, c'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. Le président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que le cas des conseillers communaux évolue bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais qu'il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever le reste du processus afin de lever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans différentes municipalités.